Salut à tous, et Nota. On se retrouve aujourd'hui donc pour, comme j'avais promis, en parallèle à Amnesia, donc ma première vidéo de Outlast. Outlast qui, d'après ce qu'on m'a dit encore une fois, promet d'être très bien. Peut-être même plus prometteur qu'Amnesia 2, hein, parce que d'après ce qu'on a vu pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir hein, sur Amnesia 2 pour le moment. Donc, on peut conduire la voiture? Ah non, on peut pas. Merde, ça c'est con ça. Ouais, tu fais comme dans GTA 4 et tout, t'écrases tout le monde. Ouais, j'ai mis en français là, pourquoi c'est en anglais la radio, merde? En tout cas, le jeu a l'air beau, hein. Ça fait penser un peu au graphisme de Slenderman Arrival. On arrive dans un mont massif. C'est un asile. Ok. Alors visiblement, je suis un reporter. J'ai ma carte de presse officielle ici. Ok, moi, t'as le droit de retirer tes mains du volant une fois que tu t'es garé. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. Moi je vais vous laisser lire en silence. Hein. Ok. Hop là, des Duracell. Un caméscope. Le type il cherche son caméscope comme si c'était un flingue quoi. Donc je m'appelle Miles. Oula, oula, t'es la fois, attends là. Donc, les objectifs sont mis à jour sur votre carnet. Donc, quels sont mes objectifs? Note, il n'y en a aucune, document, c'est le document que j'ai lu au début. Donc, enquêter sur l'asile de Mount Massive. Ok. Eh oh, y a quelqu'un? Il n'y a pas de gardien, tu rentres là-dedans comme tu veux. Par contre, on va tout de suite changer la sensibilité. Voilà. Ok, ça change rien en fait, j'ai l'impression. Ok, ça va mieux comme ça. Oh putain, le beau PC! Oh, faut que je lui vole lui. Non, on va quand même augmenter un peu. Voilà. Ok, c'est fermé. Alors, pour ouvrir rapidement, appuyez sur le bouton de la souris gauche. Pour ouvrir lentement, appuyez longuement sur la souris gauche. Et faites-le dans le sens où vous l'ouvrez. Pour lever votre caméscope, appuyez sur 0. Ok, ça sert à quoi d'avoir son caméscope? Était notre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai enregistré? I. Pourquoi ça me sentir mal? Ok. Ah ok d'accord, donc il faut filmer des trucs pour avoir des notes. Le problème c'est que si je filme tout, je vais plus avoir de batterie, donc je vais manger mon caméscope. Je suppose que l'entrée est fermée, je vais pas aller vérifier. Il y a une espèce de flou qui me... que je n'aime pas du tout en fait. Si vous pouvez zoomer à l'aide de la touche... Ça défile pas, défile... Ok, donc ici on voit qu'il y a un trou dans la fenêtre. C'est fermé. Pourquoi ils font tous ce bruit là quand ils sautent? Allez. Par contre les sons sont forts, alors j'espère qu'il n'y a pas de screamer. Hein, parce que ça va me faire tout drôle sinon. Hop là. Pour bondir... Appuie sur le bouton souris 3. Ah, ok, ça va. Ok. Y'a un mec qui pète là? C'est quoi ça? Le mec il est en train de lâcher des grosses caisses.
En fait, c'est Assassin's Creed là, c'est ça? Ok. Pinaise, on voit rien là. Épuise les piles, hein. Utilisez-la à bon escient. Ok. Ouais. Ok. Et pourquoi elle fait un bruit comme ça la télé là? Là faut appeler le réparateur. Hein. Pas un téléphone ici là. Pour fermer. Pour fermer quoi? Ah, on fait fermer la porte derrière. Putain, mais arrête ça toi, il est cinglé celui-là quoi. J'ai envie d'éternuer. Range ça toi. Ok alors. Ah des piles. Quoi c'est un cyborg ou quoi le mec? Il a ramassé la pile. Appuyez sur... Ouais c'est pour fermer la porte. Ok. On va ouvrir lentement. Merde c'est pas le bon sens. Ah les salopards, ils ont même pas raccroché. Donc pareil, hein, pour ceux qui ont l'habitude, je passe les pages rapidement, si vous voulez lire, vous faites pause. Ok. C'est beau, j'ai entendu un bruit là. Ah oh. Il a fermé la porte. Je trouve il était aux toilettes, il était en train de faire caca et tout, j'étais en train... Ah bon, je peux... C'est quoi ça, c'est une crevette? Oh, encore des piles! Hop là! Ok... Putain, il y a tout qui est fermé ici! On va fermer derrière, soit. On est jamais trop... On est jamais trop prudent, hein! Comme j'ai l'habitude de dire. Hop là. Putain, on voit rien ici. Ça va. Il y a un bonhomme. Hé hey, reviens. Mes copains. Putain, il est vachement discret mon type dans le conduit. Putain, on voit rien avec ça. Ah non, si c'est ça le jeu, non. Ah ça va, arrêtez la musique là. Je tape la musique. Oh putain, bande d'enculés quoi. Et il joue à cochon pendu lui. Bah elle est où ta tête? Hein? Ah voilà, voilà ce qui arrive. Eh ben elle est là. They killed us. You got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. Et il est dans le trou de balle, ça fait du bien. Ça fait du bien dans le trou de balle. Oh, vas-y, regarde comme il s'en pâle là-dessus. Oh, ah, dégueulasse. Oh, il va jouir là. Voilà, il a joui, il est tombé dans les pommes. Et putain, on dirait Sylvester Stallone. Hein. Bon, l'autre, il arrive plus à respirer quoi. Du PQ, putain, je crois que je prends le rouleau de PQ sur moi parce que si ça continue comme ça. C'est un copain? C'est un copain lui? Il est passé où? Ah, je vais fermer parce qu'ici ça m'inspire pas confiance. Hein.
pas ça. Ok, celle-là aussi elle est fermée. Ok. Oh, cette vieille tête. Père Thomas Wilter. Bah putain, bah si je voyais un mec avec cette gueule-là, j'aurais pas envie d'aller prier. Hein. Type là. Hey, donnez-moi votre argent pour l'aumône. Mais putain, lâche-moi! Un gros PD! Et il me chante une berceuse maintenant! Bah, c'est gentil, mais j'ai pas envie de dormir! C'est Père Thomas Wheeler! Type, on dirait le diable! Eh, rends-moi ça, toi! T'as pas un petit hostie, je commence à avoir faim. Oh l'enfoiré, j'espère qu'il va pas piquer mon caméscope là. Putain, on dirait moi après une gueule de bois quoi. Allez. Fuyez l'asile. Ok, bah la porte de sortie, je suppose, non? Ah! Oui, ma foi, c'est un asile. C'est pas vraiment étonnant qu'il y ait des trucs pour vous empêcher de sortir. Hein. Putain, y'a ma voiture qui est juste là-bas. Pourquoi tu prends... Allez, on va prendre une chaise, on casse la vitre, là. Oh, putain. Puis on voit rien, ici. Oh, y'a un truc. Attaque walkie, y'a des piles. Hop là. Ah, si j'avais su, je me serais mis debout ici, j'aurais regardé par la fenêtre. Ok, bon. Dégueulasse. C'est moi ou il y a un bonhomme écrabouillé en... C'est quoi qui fait ce bruit de merde, là? Oh merde, des piles. Y'a rien ici, qu'est-ce que je suis venu foutre là? Hé copain! Il fait dodo. Qu'est-ce qu'il vient de faire lui? Ah merde, putain, j'ai rechargé. Oh quel con. Je suppose qu'il garde pas les piles qui sont presque vides. Ouais, attends, il y a un truc devant, risque pas de s'ouvrir. C'est quoi ça? Oh là, c'est Windows combien ça? Windows 98? Il n'y a pas beaucoup de budget pour les ordinateurs ici, hein. En tout cas, laissez-moi vous dire que l'ambiance est bien plus pénible que qu'Amnesia, hein. Ah, sans problème. Ah, j'ai vu un truc, hein, c'est pour fermer la porte comme d'hab. Ok, bon là y'a rien. Copain! Eh hey, copain! Eh hey, copain, ça va? Copain! Eh hey, oh! Hé hey. C'est pas un copain lui. Y'a plus... Hé hey. Hé hey, copain. Hé hey, oh. Ouh. Eh hey, putain, il est con quoi, il fait exprès de pas me voir lui.
Et voici un imbécile en flagrant délit de regarder la télévision alors qu'il n'y a rien dessus. C'est intéressant, hein? Hein? Putain, bah lui, faut pas grand chose pour l'occuper le soir. Hein. Putain. Oh la gueule! Oh, j'avais pas vu lui! Putain, bah qu'est-ce qui t'est arrivé, mon gars? Oh la vache! Tu t'es pas loupé, toi, et lui? Là, on est dans Resident Evil ici ou. Pourquoi ils me parlent pas, les types? C'est quoi ce délire? J'ai noté un truc dans mon truc, je crois. Alors, des hommes brisés et une télé HS. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle s'appelle en compote. Oui, ça j'avais remarqué. Ok. Il y a un truc là-bas. Voilà. Copain! Il est mort. Ouais, donne-moi ça, toi là. Voilà. Alors, je sais pas à quoi ça a servi. Je sais pas ce que j'ai récupéré. Ah, la carte magnétique du local de la sécurité. Ok. Je sais pas à quoi elle va me servir. Sûrement... Bah, visiblement pas ici déjà. Pas un truc dans la cheminée, on sait jamais, hein. Bon, je vous laisse devant votre feuilleton, les gars. Hein. Vous revenez quand c'est fini. Laisse-moi tranquille. Mais ferme ta gueule. Me touche plus jamais, toi. Je te pète la gueule. Hein? Cache-toi. Salaud. Cinglé ces types ici. Bon, y'a quoi là? Un ascenseur, il fonctionne? Visiblement non. Un couloir de 30 km qui m'inspire pas du tout confiance. Oh non, oh non! Oh, y'a quoi ici? Y a des... C'est la réserve de viande? C'est la cantine? Alors on a quoi à bouffer aujourd'hui là? Du poulet saigné! Hop là, une bonne pile là. Allez, t'as vu, il est handicapé des mains lui hein. Voilà. Et pourquoi ça s'est fermé ici? Ah bah. Hey! Quelle idée de rentrer dans les chiottes, quoi. Je sais pas ce qu'il a chié, mais il a dû le sentir passer. Qui va lui, visiblement, il a pas résisté non plus. Ok, y'a rien là-dedans. Ouh, quelqu'un qui a tiré une balle ici. Peut-être que je vais pouvoir trouver un flingue ou quoi, non? Ah, c'est ici pour la carte, je crois. Abracadabra. On ferme derrière ça, hein. Hop. Ah, on voit tout ce qui se passe ici. J'ai le contrôle total de la situation. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Arrête tout de suite, là. Il joue à cache-cache, quoi. En plus, il y a un orage à côté de chez moi là, c'est pas le bon moment. Ok, bon. Oh, je suis tellement balèze en piratage. Ok, bon là. Arrête ça, toi!
Enculé! Enculé! Je vais te péter la gueule, ouais. Oh non! Y'a un bruit! Non! Je suis pas là, non! Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi tranquille! Eh mais il court aussi vite que moi, mais laisse-moi! Aïe! Non, j'ai rien fait, c'est pas moi! C'est pas moi! L'enculé! Putain, c'est... C'est tendu. On peut se laisser avoir deux fois. Y'a personne. Il aurait peut-être pu me dire ça avant, non? Y'a personne. Oh putain. Non, non. Oh, il ouvre le casier. Et putain, mais heureusement que je me suis pas caché dans l'autre. Non, non. Non, y'a personne. Oh putain. Allez, casse-toi. Ok, c'est quoi l'objectif maintenant? Ah oui, le groupe électro, mais je sais pas où il est, putain. Oh putain, il est flippant en jeu. Oh, il a dû avoir mal lui. Ah, c'est le chat qui m'a touché. Allez, viens là. Saleté, va. Viens là. Viens sur papa. Tu vas porter chance à papa, viens. Attends. Viens là ma mimine. Va, viens là. Ah là, y'a là. Comme ta papa, il a pas peur. Il y a un truc qui brille. Non, j'ai peur. Chut, fais pas de bruit, mimine. Il peut être n'importe où. Chut. Reste avec papa, mimine, hein. Oui, ma chérie, papa, il t'aime aussi. C'est peut-être ici, c'est... Par là, le groupe électrogène. Oh putain, on voit rien. Putain, je vais revenir au début. Ouais, tant pis, hop. Ça va, on voit bien là. On voit bien, on voit bien, on voit bien. Par là, on voit pas. Par là, on voit bien. Pour ces portes, c'est un obstacle. Sauter, ok. Hé, hey, un copain. Who's there? Hey, c'est moi, un copain. Oh putain, la gueule. Oh non, non, non. Oui, mimine, tu sens mauvais de la bouche. Mimine, ah, mimine. Ah. Chatouille papa, mimine, avec tes petites moustaches. Est-ce que c'est par ici? Non, reste avec papa. Reste avec papa. Y'a presque plus de piles. Après il va changer les piles. Ah c'est ça, c'est ici. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Allez, arrête ça là. Voilà, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Des piles. Oh non. Oh non. Non.
Oh non, il est pas avec moi lui. Oh putain, non. Il a cassé la porte. Protège ma mimine. Mais non, j'espère qu'il va pas me voir. Oh putain, ces bruits m'ont pas vu. Mimin. Je crois qu'il est parti, Mimin. Tu le vois? Putain, elle a disparu. Oh putain. J'entends un bruit. Mais il est où? Bimine. Moi je crois qu'on va faire une pause ici, Bimine. Hein. Tu commences à peser lourd sur la tête à papa là. Moi, je crois qu'on va faire une pause ici hein, parce que là franchement ça commence à stresser. J'espère qu'on peut sauvegarder. C'est pas sauvegarder et quitter. Je continuerai très bientôt, mais là il est hard le jeu. Hein, donc il est vraiment petit à petit. Voilà, mais encore une fois, merci de m'avoir suivi. Si jamais vous avez bien aimé, si ça vous plaît de me faire connaître, parlez-en éventuellement aux gens que vous connaissez. Hein, des fois que ça leur plaise aussi, sait-on jamais. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.